l'industrie des arts et du cinéma ivoirien sous le feu de la rampe. Parce que ce secteur mérite qu'on lui accorde une place de choix, dira le Premier ministre, le gouvernement a décidé de l'accompagner. Le secteur privé est d'une importance capitale pour tout gouvernement et pour tout État. Mais ce secteur privé, s'il est capital, il est important. Il est donc important qu'il soit la prunelle des yeux du gouvernement et que le gouvernement accorde à ceux qui, parmi nous, dans cette société, ont décidé d'embrasser l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé comme une activité de leur vie, qu'on leur accorde toute l'attention qu'il faut pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils ne réussissent pas, c'est l'État qui est en péril. Le pied dans le plat, les acteurs ont porté à sa connaissance les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Ce que nous voulons que le gouvernement fasse pour nous, c'est de nous appuyer financièrement, de nous appuyer au niveau des infrastructures pour que nous puissions exercer notre métier dans de bonnes conditions. On ne peut pas faire un film professionnel chez les voisins, chez un ami, chez une cousine, chez une tante. Il faut qu'on ait l'espace, on ait les hangars de tournage pour que nous puissions réaliser. Si tu étais chez un directeur, il faut qu'effectivement on voit que c'est chez un directeur. Au cours de cette rencontre très conviviale, des engagements ont été pris par l'État pour booster les activités des entrepreneurs culturels, du cinéma et de l'audiovisuel. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces derniers. On est vraiment agréablement surpris par toutes les décisions qu'on attendait depuis longtemps, la signature des décrets d'application sur le statut du producteur et tout ça, c'est vraiment des nouvelles qui nous enchantent tous. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est l'étape qui permet ensuite de dire aux autorités, si vous avez une ambition, nous sommes prêts à remplir le contenu. La tutelle est également satisfaite. Nous sommes vraiment, vraiment sortis de cette séance de travail avec fierté parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, il y a des engagements qui ont été pris et cela nous va droit au cœur et nous conforte. Des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, tous ont applaudi la vision du chef de l'État pour l'évolution du 7e art et de l'audiovisuel. Une volonté politique présentée à l'entame des échanges. Sur l'instruction du président de la République, je souhaitais vous recevoir pour vous dire que vous êtes important pour le pays, vous êtes important pour notre jeunesse, pour laquelle vous constituez, pour un grand nombre d'entre vous, des modèles, qu'il est important pour nous que vous puissiez réussir, qu'il est important pour nous que votre talent puisse éclore et rayonner au-delà de nos frontières, pour que vous puissiez faire également rayonner le pays, et que l'on sait que pour que cela arrive, il faut que ce soit main dans la main que nous avancions ensemble, et que nous puissions prendre le temps de vous écouter, de voir les problèmes que vous vivez, pour que dans la répartition des ressources pour aider tel et tel secteur, puisque nous allons aider le secteur privé, vous puissiez également avoir votre juste part. Cette rencontre avec l'industrie des arts et du cinéma ivoirien, la première dans l'histoire, est l'initiative du gouvernement. Elle est inscrite dans une série de rencontres dénommées « À la rencontre de nos champions nationaux ».